commence quand tu veux. Oui, c'est maintenant. Alors bonjour Papa Wemba, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur le site Vana Night. Alors vous étiez en dehors du pays depuis un certain temps, pourriez-vous nous parler de votre parcours? L'année dernière, j'ai terminé, j'étais l'invité spécial, je ne cite pas le nom, d'une téléphonie dans la province du Niger, Niamey, où j'ai partagé la scène deux fois de suite avec le Peace Square. Oh, quel moment de plaisir, là, de bonheur. Et en janvier, j'étais encore, je suis allé à Conakry, qui est la capitale de la Guinée. Et là, je reviens de Brazzaville. Entre-temps, c'est comme du boomerang, comme ça, quoi. Ça va, ça revient, je saute de studio en studio, juste pour essayer de mieux travailler mon album, qui m'a pris quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de thunes, beaucoup de possibilités. Ça fait 2 ans déjà que je suis là-dessus, et qui malheureusement devait faire sa sortie mondiale à la fin de ce mois de février. Mais comme j'ai eu quelques partenaires, entre autres Obi News TV, qui souhaiterait vraiment m'accompagner pour la com de la sortie de cet opus-là. Donc nous avons repoussé la sortie pour le mois de mai prochain, quoi. Prenez patience. Ne dites pas que la patience est la longueur du temps. On va attendre. Moi aussi j'attends. Ça fait 2 ans que j'attends. 2 ans que vous attendez, c'est vous-même qui produisez l'album. C'est évident que ce sont beaucoup plus les amateurs, les fans de Papa Wemba qui seront le mieux servis. Et cet album est riche en participation par de JB Tiana dans l'album. Il y a d'autres collaborations. Effectivement, comme tu le dis. Donc il y a vraiment une participation assez remarquable comme ça de Jossa Nyokalongo, qui est quand même un des grands chanteurs de la rumba congolaise, et qui est patron d'un grand groupe, les Aïko Langa Langa, le patrimoine même du pays. Et JB Piana, qui je salue son côté professionnel, parce qu'il est venu au studio, il s'est acheté son propre billet, en business class s'il vous plaît, jusqu'à Paris. Il est venu au studio, il a tracé sa voie, puis il a pris en charge lui-même son séjour là-bas. C'est fabuleux ça, moi ça, c'est poignant tout ça, quoi. Barbara Kanam, je ne dirais rien du tout parce que c'était une chanson écrite sur mesure pour elle. Mais vous allez écouter. J'ai fait appel à une Westaf qui est une fille qui vient d'une grande famille de grands musiciens maliens, Kouyaté. Et c'est sa fille qui est venue aussi faire avec moi dans l'une des chansons que j'ai intitulée « Africain comme toi ». Et Papa Wemba, l'album évidemment est très riche en participation, mais vous en êtes où par rapport à son évolution? En pourcentage, je dirais que je suis à 90% déjà parce que c'est presque fini. J'en ai déjà clippé certains titres qui passent déjà. Mais bon, attendez encore, ne soyez pas pressés. Vous allez être bien servi là. Ce qui attribue aussi, c'est l'intitulé de l'album. Vous avez intitulé l'album Maître d'école. Alors on se demande, Papa Wemba aurait ouvert une nouvelle école et voudrait enseigner une nouvelle musique. Pourquoi Maître d'école? Pour rafraîchir votre mémoire, je crois que Vive à la musique, c'est une grande école. Vive à la musique qui a engendré plein d'artistes. Plein d'artistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 44, 61. On a des noms. J'entraîne beaucoup d'artistes. Et donc, je suis le maître absolu de cette école-là. C'est pourquoi je me dis, bon, pourquoi pas. Pas maître de l'école, parce qu'il y en a certains qui disent maître de l'école. Non, c'est maître d'école. L'école Vive à la musique. Ça n'a rien à voir d'autre école. C'est l'école Vive à la Musica. Il y a Wenge Musica. Ah. Maître d'école. C'est pour très bientôt on convie devant les amateurs en passant. Maître d'école Rumba na Rumba. Rumba na Rumba.
Je ne suis pas écarté de la réalité que vivent aujourd'hui les mélomanes de la rumba congolaise. Parce que, bon, pour moi, j'ai toujours défini que ce genre musical, malheureusement, n'attrapera jamais de la vie des rides. Fallait pour pas y faire la fierté aujourd'hui. Ferregola, pareil. Les JBPR, pareil. Les Calais Jeff et consorts, c'était hier. Taboulé et mon mentor, c'était hier. Et cette rumba vit toujours. Elle est là toujours, omniprésente. Dans nos mémoires, dans nos maisons, dans nos salons, dans nos véhicules, dans nos fêtes. Et même chez les enfants aussi. Donc cette rumba va toujours exister. Hier, on a dansé Mali Loïsae, Saloé, Ngaïnaïa. Aujourd'hui, on danse autre chose. Et je crois que les invités, évidemment, parce que vous produisez ce 14 février au Grand Hôtel pour le compte de la fête de la Saint-Valentin. Alors, les invités que vous conviez à cet événement, qu'est-ce que vous leur promettez? Ce seront des extraits de votre album Maître des Cœurs. Je ne promets rien du tout. Je promets juste ma voix et mon répertoire, quoi. Je vous invite pas pour venir écouter mon nouveau répertoire. Oui, bonjour à côté. Vraiment, là, il faut attendre. Alors, notre actualité, c'est ce qu'on a vu qui a fait le buzz sur Internet. Ah, ça fait buzz, je comprends, je connais déjà. Voilà. Ça fait buzz. Mais juste après, je me suis rattrapé. J'ai de grands enfants quand même. J'ai de grands enfants quand même qui... Choqué ou pas choqué, j'ai dit non, attendez, ça c'est, ce sont des caprices de l'artiste. Ça n'a rien à voir. Là, tu veux me parler de trucs avec Rihanna. Avec Rihanna. La taille à la fille, la fille à la taille craquante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça. C'était juste un buzz comme ça, quoi. Des fois, on prend un coup de tête, hein. On fait un coup de folie comme ça, mais qui sont passagères. On a senti que la fille a perdu ses moyens. Oui, c'est elle-même qui a demandé. Et puis, bon, ça n'a rien à voir. Il ne faut même pas nous éterniser sur ça, quoi. C'est un truc passager, c'est fini, quoi. Ça fait un buzz, et puis c'est fini, quoi. Ma femme, elle était choquée, mais bon, je me suis fait comprendre. Et elle m'a compris. Et elle m'a dit que ça soit une dernière fois. Et ce sera une dernière fois, on espère. Espérons-le. L'homme a toujours... L'homme, au départ, il est bête. L'homme, au départ, il est bête, au départ, quoi. Et ce n'est que bien après que l'homme reculait pour mieux sauter. Il regarde son rétroviseur, il dit non, je change de fusil d'épaule. Ça, j'avais commis quelques erreurs. Là, en tout cas, je dois me réparer, quoi. Quand tu reconnais, c'est fini. Et après avoir demandé pardon... Quand votre... c'est terminé, passe à la passe à autre chose, s'il vous plaît. Le programme de Papa Wemba, après le grand hôtel. Vendredi, Salon Congo. Pour les amoureux. Samedi, je serai Fleuve Congo Hôtel, où on invite tous les cadres à venir écouter la voice de Petit Rossi, avec un répertoire vraiment acoustique. Et dimanche, comme à l'accoutumée, rendez-vous à Freebox, rond-point Forestcom, de 18h à minuit, avec toute l'armada de groupe Viva la Musica, tout le répertoire, danseuses, tout le monde y compris, avec une danse qui va peut-être faire mouche ici-là, araignée qui monte, araignée qui rampe, qui monte. Oh. Alors, on va chuter. C'est un truc de DJ. Oui, nous on a repris ça. Ah oui. Ok. Nous on a repris ça. On va chuter avec votre nom, le Petit Rossi. Ça vient d'où? Petite histoire sur votre nom. En fait, c'est juste mon rétroviseur que j'ai regardé, quoi. Je n'ai pas commencé ma carrière aujourd'hui. J'en ai 44. En tant que professionnel, moi, j'en ai démarré bien avant. Je devais avoir moins de 10 ans dans mon quartier où j'ai grandi à Matongé. Déjà à cette époque, moi, je chantais. J'avais une voix très, très, très fine. Et les gens m'appelaient Petit Rossi. C'est pour dire le diminutif des rossignols. Parce que j'avais une voix très très fine. Et je ne fais que reprendre tout ça, quoi. On me dit que 37 ans, 28 ans, je suis sobriqué. Je suis sobriqué. Moi, de 10 ans déjà, on m'appelait Petit Rossi.
moins de 10 ans. Donc, je me suis dit... Et puis après ça, vous-même, vous êtes appelé Elvis Presley. Non, non, Jules Presley. Jules Presley. C'est pas Elvis Presley. Jules Presley. Je ne peux pas me comparer au grand Elvis Presley. Non, non, non. Et vous avez pris seulement Presley. Alors, on termine vraiment. Les 10 février dernier, c'était évidemment le jour où on a pensé à Nyarlathotep. Voilà, donc la SAP, vous êtes un grand nom de la SAP. Alors, quelle impression vous avez de cet événement, la SAP? Je respecte et je salue la mémoire de ce grand disparu qui fut parmi ceux-là qui ont révolutionné ce côté SAP, quoi. Ils en savaient bien parler parce qu'on était bien formés et on était vraiment là, quoi. Et si aujourd'hui certains sapeurs se reconnaissent en lui, j'ai dit vraiment paix à son âme, quoi. Paix à son âme, le pape de la religion qui t'aime. Il y a le mal qui m'a les laïcs. Le mal qui vous voit à Nabino, Boutambo, la Bonoba. C'est le bon signal, Kos. Merci, papa. Un mot pour le site Vola Night. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Qu'il n'y ait pas d'épines sur votre chemin et ne restez pas seulement scotché sur nous, allez-y voir aussi d'autres personnes qui s'expriment, qui se dévoilent. Et merci, bye bye. Bye. Génial.